Alors, avant que ça commence, il faudrait que je vous dise un petit truc. Eh bien, c'est par rapport à ce qui s'est passé avant-hier. Si vous êtes, si vous regardez jeuxvideo.com très souvent, vous avez dû savoir ce qui a dû se passer. Eh bien, on a perdu une voix française. Et c'était pas une voix random, non, non. C'était une grande voix, José Lucioni, qui nous a quittés avant-hier à l'âge de 72 ans. Et apparemment, c'est après ce que je vois, il avait fait ses débuts dans les débuts des années 70. C'est que quand même, le gars, il aurait quand même fait beaucoup de trucs. Il a doublé plein d'acteurs, mais surtout dans les jeux vidéo, il a été Sully. Et ce bon vieux Sully dans les Uncharted. Putain, on a perdu Sully, quoi. Mais pas que ça, je le connais, on le connaît aussi pour Torbjörn d'Overwatch. Et là, ça va me faire un peu chier. Pour Anna et Brigitte, c'était pas justifié leur changement de voix, mais pour Torbjörn, là par contre, ça va être un petit peu justifié vu qu'on a perdu la voix. Donc, je suppose que pour Overwatch 2, vu qu'aussi il y aura la série, ce ne sera pas sa voix. Voilà, ça me fait vraiment mal de savoir qu'on a perdu une grande voix avec Marc Alfos. Hein. Voilà, il fallait que je le dise. Et à la musique et la guitare là qui suivent, je trouve que ça va super bien avec. Bon, donc voilà, c'était petit moment d'émotion, il fallait vraiment que j'en parle, ça me fait vraiment chier qu'on l'ait perdu quoi. Ah bordel. Ouais, voilà, comme tu dis aussi, au précipice de la vie, de la mort. Bien, allez, retour à la vidéo et à l'histoire de Apex Legends. Merci de m'avoir écouté. Et salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu d'histoire. Merde, je me suis gouré. Alors on a deux chapitres à regarder, chapitre 3, chapitre 4. Pour rappel des événements, Raze et Mirage enquêtent sur la nouvelle légende Newcastle. Parce qu'ils pensent qu'il y a anguille sous roche, surtout avec Bangalore. Allez, reconnaissance et responsabilité. Après une courte vire en voiture et une longue marche, Mirage et moi arrivons dans un entrepôt abandonné en périphérie d'Arise Valley. Donc là, c'est Wes qui parle. Peut-être a-t-il servi à des fins de logistique, ce n'est plus le cas. Des mercenaires patrouillent dans la zone, à en juger par leur organisation, il doit s'agir de troupes paramilitaires ou d'anciens membres de l'IMC. Quelques gros bras, ça, la troupe autour d'un homme au milieu de l'entrepôt, c'est sûrement leur leader. Nous cachons derrière une caisse près du terminal de chargement en veillant à ne pas nous faire repérer. Bien, je vais se faire repérer. Je t'ai pas vu aussi énervé depuis la fois où t'es tombé dans la bouse de rôdeur. Ils en ont après qui? La division Arès? Ils s'inquiètent pour moi et peinent à le cacher, mais il y a des choses que je ne peux pas lui révéler. J'en ai fait la promesse à Anita. Non, Mirage, ils traquent des déserteurs. Mirage semble désarçonné. On raconte que les familles oubliées massacrent les déserteurs de l'IMC. Newcastle en fait partie. Il a débarqué au jeu Apex en adoptant une attitude familière envers Bangalore, une déserteuse. Ça ne peut pas être une coïncidence. On dirait que la fête va commencer. L'homme que tout le monde attendait finit par apparaître. Newcastle entre en scène et le leader des mercenaires esquisse un sourire. Félicitations pour ta belle victoire, Newcastle. C'était dans tes cordes, finalement. Je te l'avais dit. Mirage m'agrippe l'épaule. Je l'ignore en essayant de suivre leur conversation, mais il insiste. Quoi? Ces fenêtres étaient ouvertes quand on est arrivé? Il m'indique l'entrée de l'entrepôt où une fenêtre semble légèrement entrouverte. Quelqu'un de... Tu te fais des films? Non, je pense pas qu'il se fait des films. Je pense que quelqu'un d'autre est avec eux. Peut-être Bangalore. Je place un doigt devant mes lèvres avec l'air grave. Mirage soupire d'exaspération, puis fait mine de se taire. Au début, je ne savais pas quoi penser de toi, mais mes poches sont bien remplies, alors ça me va. J'ai même commencé à parier sur toi, Jackson.
Mon sort ne fait qu'un tour, mais Newcastle porte encore son casque. Je peine à croire que ce que je viens d'entendre. Moins fort, comment as-tu découvert mon identité? J'arrive plus à me concentrer, je ne parviens pas à comprendre de quoi il parle. Évidemment, Newcastle est lié à Mangalore. C'est même la raison de ce revirement de situation, tout s'éclaire. Mais si Anita le savait, pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Était-elle vraiment en danger? Wace, colosse ce carapace, Newcastle se barre quoi? On fait quoi? La voix de Mirage me sort de mes pensées. Newcastle se dirige vers la porte, même si je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Non mais t'es qui toi? Mon souffle se coupe alors que les mots du mercenaire résonnent dans l'entrepôt. Pourquoi mes voix ne m'ont-elles pas prévenu? J'entreprends de me projeter dans le vide avant de réaliser que ce n'était pas à nous qu'il parlait. Pas de nous qu'il parle. Mirage et moi échangeons un regard. Mais alors à qui? À Vangalore peut-être? J'en étais sûr! Je ne vous veux aucun mal, pigé! Ouais, et c'est moi qu'on traite de trouble fait. Anita est postée près de l'entrée, nez à nez avec un mercenaire. Elle est là pour Newcastle, c'est évident. Je compte en 4, non, 5 gardes armés autour d'elle. Elle lève les mains en direction du soldat devant elle comme si elle cherchait à le calmer. Puis, d'un mouvement rapide, elle lui colle une droite dans le visage. Le combat éclate, les mercenaires fondent sur Bangalore, aucune trace de Newcastle, elle est livrée à elle-même. Plusieurs voix se mêlent là-bas dans la fumée. Elle ne va pas vous blesser, elle va vous tuer. Je suis abasourdi. Est-ce qu'il parle d'Anita? Ah, c'est dernier à rien comprendre. Ça va? Pas maintenant, Mirage. Elle est en danger. File à droite, je vais à gauche. Il m'adresse un salut à deux. Le doigt avant de foncer vers la gauche, suivi d'un de ses leurs. Je reprends mon souffle avant de m'enfoncer dans le vide. Les autres Wraiths se cherchent à me prévenir. Elle est là, elle sait tout. Je comprends rien. Qu'essaie-t-elle de me dire? Intégrité et intention. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Chapitre 4. Après toutes ces années de recherche acharnée, mon frère se tient devant moi, dans l'ombre d'un vaisseau de transport, et s'apprête à repartir après avoir pris part au jeu d'Apex. Porte un drôle de costume et prétend être quelqu'un d'autre. On a combattu dans la même escouade, mais il refuse toujours de me parler. Il faut que je trouve un moyen de provoquer la discussion. Arrête de m'esquiver, Jackie. Tu ne m'as toujours pas dit ce que. Lâche-moi la grappe. Je peux pas en discuter maintenant. Tu ne veux jamais discuter. J'ai bien vu que tu cherchais à m'éviter. C'est compliqué, Nita. N'essaie pas de me mentir. Tu pourras tout m'expliquer pendant le voyage d'Auvergne. Gris diront. Je sais pas ce que c'est. Faut juste que je dise à Revenant de nous dégoûter un billet de plus. Impossible. On m'attend à Rift Valley. Quoi? Tu veux me faire croire qu'un trou perdu des terres sauvages a plus d'importance que ta propre sœur, Jackie? Il est mort. Lâche l'affaire. J'arrive pas à croire que tu puisses abandonner notre famille comme ça, Jackson. Jackie m'envoie un regard noir et ça penche de moi. Sa voix est douce, mais ses mots me transpercent comme les balles d'un crabeur. On a tous les deux trouvé une famille dans les terres sauvages. Je suis le seul à m'en rendre compte. Qu'est-ce que tu veux dire? Faut que je prenne cet appel. On se retrouve à l'intérieur, ni. Bang alors. Quelque chose m'échappait. Les amis, ce sont une chose, mais la famille prime surtout. Que représentaient ces étrangers pour lui? Il fallait que je le sache, alors je l'ai suivi. Jackie est devenu négligent. Il n'a pas remarqué que j'avais embarqué dans le vaisseau pour Harris Valley, ni même que je le suivais depuis. Je vais m'installer ici pour voir toute la ville acclamer le retour de son héros. Privilégier les vivas de la foule à ta propre famille? Bravo, Jackie, mais c'est toujours mieux que la cour martiale. Certaines choses en valent la peine. Quitte la scène comme une cime ambulante. J'essaie de le suivre au moment où un vendeur de hot dog s'arrête devant moi. Sauf votre vraie espèce que vous pouvez ficher le camp de notre planète. Mais pour qui vous vous prenez? Écoutez, cette ville a été construite par des réfugiés, des orphelins et des veuves dont les familles ont été tuées par l'IMC. Et vous portez un uniforme corporatiste. D'autres n'en prendront pas la peine de vous faire un dessin. La guerre est. Ah! J'ai pas le temps pour ces conneries. Je continue mon chemin alors qu'il pousse un grognement. Je m'en fiche. Bon, sur ce vendeur de hot dog m'a fait perdre la trace de Jackie, mais.
Quelqu'un vient d'entrer dans un entrepôt au fond de cette ruelle. Ça doit être lui. Je vais passer par cette fenêtre pour en avoir le cœur net. Ok, là on rejoint le chapitre 3. Et maintenant que nous sommes chez nous à Harris Valley, nous ne ferons preuve d'aucune indulgence en cas de retard de paiement. Bah voyons. Dans quoi tu t'es. Ce que tu t'es fourré, Jackie? J'avoue qu'au début, je ne savais pas quoi penser. Alors ça me va, j'ai même commencé à parler sur toi, Jackson. Jamais facile de garder un. Pardon. Garde un secret dans les terres sauvages. Jackie ne s'y attendait pas. Et je ne l'avais jamais vu aussi flipper depuis qu'il était s'est fait passer un goûter en tout ce gâteau de grand-mère. Ma foi, comment as-tu découvert mon identité? Un contact m'a parlé d'un rendez-vous secret entre deux soldats et un pilote de l'IMC dans une colonie convoitée. J'ai vite fait le rapprochement. C'est la première fois que je te vois perdre ton calme. J'ai bien fait de mener l'enquête. J'en sais maintenant un peu plus sur notre nouvelle légende favorite des jeux Apex. Allez, prenez la thune et foutez le camp d'Harris Valley. Mais bien sûr. Alors c'est ça que tu travailles depuis tout ce temps, Jackie? T'aurais pu me demander de l'aide. Continuez de décharger ces caisses, les gars. On va s'installer ici pour un petit moment. Il faut que j'aille rendre visite à quelques locaux. À plus, Jackson. Et c'est le moment ou jamais de me barrer en passant par cette fenêtre. Hein. Ah mais t'es qui, toi? Bon sang, j'ai été submergé par mes émotions. Et je vais en payer le prix fort. Je me relève doucement les mains en l'air. Grenade fumigène lent. C'est faut que je fasse vite et je suis seul et en infériorité numérique. Enfin, c'est ce que je croyais. Aïe, toi, tout va bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Elle est contente de me voir, ça crève les yeux. Et t'as ramené Witt avec toi? Combien de gens tu vas mêler à mes affaires? Alita. Boucle là, occupons-nous d'abord de Sarah. À nous trois, ça devrait le faire. Et qu'est-ce que la fumée se dissipe et révèle un mercenaire patibulaire équipé d'un canon mitrailleur. Ça n'arrange pas les choses. J'ai toujours rêvé de flinguer une légende et je vais pouvoir m'en faire trois. Bangalore, je te laisse t'occuper de ce type, ok? Super. Échange troublant. À suivre. Eh ben ça part en steak pour les légendes là, surtout pour Grace Mirage et Vangalore. Et pour Newcastle aussi. Bon, je pense qu'il y aura un événement d'ici pas très longtemps, hein, vu qu'il reste 67 jours. Allez, à très vite.